Hello world, salut, c'est Mochou. Passons maintenant à ma box personnage. Donc pour commencer, on va faire un petit visu général et on va passer par l'album. Du coup, comme ça, on verra tous les personnages que j'ai ou que je n'ai pas. Donc ça sera beaucoup plus simple. Donc là, comme vous voyez dans la série des 6 étoiles, tout ce qui est en sombre, c'est ce que j'ai pas. Et tout ce qui est en clair, c'est ce que j'ai. Donc vous voyez que là, pour ces derniers les derniers personnages arrivés, c'est mitigé, très mitigé. Beaucoup mitigé même, je vous dirais. Je pensais pas à ce point-là. Donc oui, vous voyez, donc côté nouveaux personnages, j'en ai des bons, j'en ai très très bons. En fait, j'ai récupéré les très bons. Mais il y en a quelques-uns, dommage, j'aurais bien aimé la petite Nell, là, elle manque là. J'aurais bien aimé l'avoir la petite, là. Mais bon, elle n'est pas, chose qui arrive, hein. Comme vous voyez, j'ai quand même j'ai quand même des bons, là. Par exemple, là, ce qui tue, là, c'est les Ichigo et Mugetsu, que je toujours pas non plus. Comme ça, j'espère les choper sur des tickets Bressoul. Comme ça, au moins, on va dire, je serais content, là, de les avoir, quoi. Parce que bon, c'est vrai que c'est pas mal de personnages, on va dire, de série limitée que je n'ai pas. Après, des persos premium, vous me direz, j'en ai quand même. C'est plus du saisonnier que là, j'ai pas. Ouais, donc quelques premiums que j'ai pas encore, ouais, donc effectivement, ce serait sympa d'avoir aussi, tant qu'à faire. Ça pourrait aider, j'ai envie de vous dire. Donc, vous voyez, donc j'ai un peu de tout, j'ai lu le Kiki. Ouais, y'a du monde, comme vous voyez, y a du monde au balcon, j'ai farmé. Là, évidemment, ma Uno Anna toujours présente, hein, ça fait plaisir. Après, Patchy, dommage que je l'ai pas encore celui-là. On verra peut-être pour une prochaine sortie. Parce que le problème, voilà, c'est qu'ils nous ressortent des loteries pour les avoir, mais souvent les fillers qui vont avec, ils vous refroidissent direct. Donc, du coup, c'est un petit peu compliqué, je vous avouerai, de se dire ouais, je fais ça, je fais pas ça, je poule pas, être ou ne pas être, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Toujours the same question, comme on dit. Ouais, donc il y a des personnages immune résurrection, c'est pour ça qu'il y a du new. Mais vous voyez quand même, j'en ai, hein. Même moi, je commence à me dire, ouais, j'en ai pas mal, dis donc. Ouais, j'en ai bien récupéré une bonne partie. Bah, comme vous savez, là, comme vous dites, j'en ai 1137, hein. Donc forcément, hein. Le temps de tout choper, à mon avis, c'est quand je pull tous mes tickets. Et après, par contre, ouais, les premiums, c'est plus compliqué, les premiums, là, par contre. Ouais. Enfin, pour les premiums, pour les saisonniers, je veux dire. Les premiums, c'est vrai que j'ai plus de chances de les avoir. Mais, ouais. Bon là je passe plus rapidement parce que les 5 étoiles c'est comme les 6 étoiles hein, parce que quand j'ai un 5 étoiles il passe 6 hein. Voilà donc les 4 étoiles vous voyez donc. Ah bah j'ai une Uno, j'ai pas tiens. Ah très bien dis donc, c'est caché celle-là. Ah on a une aussi, pareil, on a 2 qui me manquent là apparemment dans les 4 étoiles. Ouais mais apparemment il m'en manquerait 2 encore. Peut-être plus si ça se trouve. À 3, à 4, à 5. Ouais, je dis, je les ai tous cumulés au fur et à mesure, quoi. Et. En nous en monter aussi leur speed, tant qu'à faire. Donc les silver, c'est normal, tous les silver on les a, quoi. Ouais, donc il m'en manque 5. 5, 4 étoiles, il manque, là. Les 3 étoiles, je pense que je les ai tous, je crois. Ah, je les ai tous, ouais, j'ai tous les 3 étoiles. Et les 2 étoiles aussi, pareil. Deux étoiles, il me semble pas en avoir loupé. Ouais, j'en ai pas loupé. Et il y a une étoile. Donc vous voyez, voilà, j'ai réussi à débloquer quand même pas mal tous les personnages, quoi, on va dire, quasiment. Et normalement, tous les personnages, je les ai aussi. Sauf les N étoiles que j'ai pas conservé. J'ai conservé à partir de 2 étoiles. Vous me direz, c'est un peu dommage, parce que c'est vrai que finalement, il y a que 6 personnages à avoir en étoile. Donc peut-être qu'un jour, je me chaufferai et je refarmerai les premières histoires pour choper donc ces personnages-là. Parce que normalement, c'est dans les premières quêtes qu'on les a, quoi. Non, on va regarder un petit peu plus en détail côté, on va dire, les personnages, savoir qui j'ai monté en T10, full Karalink, ou en full trans, transcendance, pour savoir un petit peu où ça en est. Donc voilà, du côté T10, vous voyez qu'il y en a pas mal, quoi, que j'ai farmé, quoi.
Ouais, vous voyez ce que je veux dire, hein? Des bons petits personnages qu'on aime avoir, on va dire, puissants. Bon, il est vrai qu'il y en a quelques-uns que j'ai monté, on va dire, histoire 2 pour le principe, on va dire, vraiment pour le principe. Hein. Mais bon, voilà, quoi, il y en a... Ah, y en a... ah c'est déjà fini. Ah, autant pour moi, je pensais que j'en avais pas. Ah, et bah oui, parce que, ouais, c'est ça. En fait, je monte beaucoup de personnages, le premier Karlink, en fait, que je monte. Histoire 2 pour le principe. Mais bon, du coup, ouais, ben voilà, un T10, voilà, j'ai cela. C'est pas mal, hein, on va dire, il y en a quoi, il y en a 1, 2, 3... 35, ouais, 35, 35... Ouais, 35-40, j'en ai une quarantaine à peu près, une quarantaine de T10. Ouais, donc c'est pas mal. Donc vous voyez, majoritairement, effectivement, c'est des oranges. Parce que forcément, quand on a la Rukia qui se trouve là-haut, eh ben forcément, ben, ça monte, hein, ça monte plus facilement, comme on dit. Hein. Là, on va regarder un petit peu le full trans, vous allez voir, bon, j'en ai pas énormément, j'en ai que deux, je crois. Donc voilà, côté full trans, bah vous voyez qu'il n'y en a que deux que j'ai pu monter, on va dire, à 100%. Donc, mon Aizen-sama, très puissant, très badass. Et ma Unohana aussi, pareil, très puissante, très badass. Donc après, c'est vrai que j'ai d'autres, il me reste encore d'autres SP5, on va dire. Comme vous voyez, voilà, j'en ai des SP5, mais voilà, on va pas tous les monter. Hein. Il y a Yukio, je pense pas les monter. Déjà, je l'ai déjà fait monter, c'est Karlink, c'est déjà pas mal, quoi. Il y a peut-être le Ginjo, je vais peut-être le monter, on va dire, peut-être. Mais ça, je me tâte encore. Et les autres, ben... Faut pas déconner. Côté résurrection. Comme vous voyez, j'ai pas mal chemé, dis donc. Et là, donc du coup, raison possible, il me reste plus beaucoup. J'en ai plus que 3 que je peux encore faire. Enfin, 3-4 avec le papy flamme parce que j'ai pas encore monté son sous-trait, on va dire. Mais voilà, il n'y en a plus que 4 qui me restent. C'est triste, hein. Parce que le reste, bah, je l'ai farmé. Voilà, je l'ai farmé, j'ai monté. Alors, faut savoir quelque chose. Tous les ressuscités que je fais, bah, j'ai fait monter niveau 200. Et tous, ils sont 100% niveau du sous-trait. Donc, ça signifie que voilà, je fais monter leur deuxième attaque, enfin, leur deuxième sous-trait est activé aussi. Donc c'est pour ça que je vous dis, mes cannes sont pris une tape, mes ressorts sont pris une tape. Ah ouais, compliqué, hein, vous voyez, mais voilà, je les ai tous montés, quoi, pour le principe d'avoir des orbes et pour le principe de les utiliser, parce que un double sous le trait, c'est quand même pratique quand vous le linkez. Surtout qu'en plus, les stats sont augmentées, donc, vu généralement, on le met sur un personnage qui a son Karlink augmenté, bah ça augmente les stats du personnage. Donc toujours bénef, comme on dit. Donc là, vous avez vu, côté personnage, je vous ai montré ça, je vais vous montrer maintenant, on va dire, un petit peu comment je mets mes formations, mes équipes, on va dire, en quelque sorte. À côté des équipes, ben, vous voyez comment je les range. Ben, en fait, en équipe 1, tout simplement, je mets ma team de présentation, donc celle que vous voyez lorsque vous regardez mon profil. Donc là, on va dire, c'est celle que je fais tourner régulièrement. Là, par exemple, il y a à peine la semaine dernière, j'étais encore avec la team Guerre Sanglante. En équipe 2, je mets en fait l'équipe de farm, donc l'équipe qui va servir principalement pour les events à points, parce qu'il faut des personnages bonus, etc. Oui, bon, cet event à points qui est là actuellement, malheureusement, je n'ai aucun personnage bonus, donc d'où pourquoi il y a ça. Chose qui arrive, hein. Équipe 3, c'est mon équipe de battle, tout simplement. Voilà, donc c'est avec ces personnages-là que je joue en battle. L'équipe 4, c'est l'équipe Kans. Donc, comme je l'ai dit, bientôt, enfin, je refarme des Kans, enfin, je pense. Donc, du coup, j'ai remis en activité mon équipe Kans. Donc, c'est des équipes full Kans, hein, avec le principe, je vais vous montrer. Ce qui signifie que, voilà, même les accessoires, voilà, du Kans, voulez-vous du Kans. Et là, du Kans. Donc, on va dire, c'est une équipe qui est pareil, on va dire, qu'à x4, 17% pour chaque membre. Vous imaginez le nombre de Kans à la fin. Et donc dans le même principe, on a aussi pareil, donc là pour pouvoir plus de butins, bah, l'équipe on va dire équipée se fait pareil. Donc là où histoire 2 pour pouvoir utiliser on va dire ces accessoires qui à la base ne servent pas à grand chose, mais bon on peut toujours servir pour là. Et là d'en dessous, ben bah, voilà, pareil 17% à t'attaque, on le met en x4. Pareil pour choper encore plus de butins. Donc plus de cristaux et tout ça, ça fait plaisir. Et en fait les équipes 6 à 10, c'est mes équipes que j'utilise en fait, on va dire, pour les grosses quêtes, par exemple comme les quêtes Popo ou etc. Par exemple que je vais faire en solo, en auto, par exemple, en solo auto. Ou ces personnages-là, j'utiliserai pour faire mes coops avec aussi, quoi. Oh,